parce que ces enfants vont gagner. Ces enfants, si courageux, mais leur courage vient d'où? Leur courage vient du fait qu'ils n'ont rien à perdre. Et si on n'a rien à perdre, c'est qu'on n'a rien offert à perdre. Et quand quelqu'un n'a rien à perdre, plus personne ne peut l'arrêter. Alors, moi, je suis... En fait, j'ai délivré des messages contre le mandat, tout ça. Tout le monde a bien compris ma position. Mais maintenant, je voudrais parler à ces jeunes, leur dire combien on est fiers d'eux, combien ils sont grands. Ce sont les héritiers de Nelson Mandela et de tous ces grands hommes qui ont défendu nos libertés, de tous ces grands hommes qui nous ont tirés de l'esclavage. Eh bien, c'était des gens comme vous, les enfants. C'était vous. Ils étaient, vous ressemblaient. Ils y croyaient. Eh bien, vous, vous y croyez, vous allez gagner. Mais mon cœur de mère saigne parce que je sais que ce que vous faites est dangereux, mais je sais aussi que je ne peux pas vous arrêter. Alors, ne pouvant pas vous arrêter, je ne peux que vous soutenir et vous bénir. Que Dieu vous bénisse, mes enfants, que Dieu vous bénisse. On ne vous volera pas votre révolution. La situation va se régler, mais à quel prix? C'est ça. Ça va se régler, c'est obligatoire, parce que maintenant, la communauté internationale ne peut pas laisser au pouvoir un homme qui tire, qui donne ordre de tirer à balles réelles sur sa population, sur ses enfants. Ça, ce n'est pas possible. Ou alors, je ne croirai plus jamais en rien. J'ai peur pour mes enfants, pour les enfants qui sont dans la rue, pour les jeunes qui défendent la patrie. J'ai peur pour eux. C'est la seule crainte que j'ai. Mais c'est probablement le prix à payer. C'est le prix que nos ancêtres ont payé pour notre indépendance et pour nous libérer de l'esclavage. Donc ce sont des Mandela, ces petits-là. Et vraiment, personne ne leur volera leur révolution parce qu'ils sont trop loin maintenant. Et en plus, on a passé le cap de bascule. C'est-à-dire quand il y a un mort, il y a la crainte. Quand il y en a deux, on a encore peur. Mais quand on en a 30, on y retourne pour ces morts. Donc il ne pourra plus les arrêter. Et s'il vous plaît, je l'ai déjà dit 1000 fois, Monsieur le Président, deux mots, je renonce.